Le baromètre s'est effondré en seconde partie de nuit et les conditions météo se dégradent progressivement depuis le passage au large de l'île d'Ouessant. Le coup de vent arrive en fin d'après-midi, mais tout en puissance, le fort Sainte-Marie poursuit imperturbablement sa route vers Saint-Nazaire. Balade sur la terrasse de l'ancienne base sous-marine allemande datant de la dernière guerre. C'est vraiment du massif. Durant notre escale, le trafic continue dans le port.
l'appareillage du Fort Saint-Georges qui fait la route en sens inverse. Sur le port de Saint-Nazaire, la manutention a duré toute la matinée. Le quai est maintenant vide et tous les conteneurs sont chargés sur le Fort Sainte-Marie qui est prêt à appareiller. Donc 15h20, appareillage. Donc le capitaine en jaune et le pilote en rouge. Pour l'échelle de pilote, c'est 1 mètre. La Terre de France qui s'éloigne, ce qui nous rapproche un petit peu plus du soleil de Guadeloupe. Une fois passé le pont de Saint-Nazaire, le Fort Sainte-Marie suit le long chenal de la Loire jusqu'au large de l'île de Noirmoutier. À l'extrémité du chenal, à 12 000 en mer, la vedette stationnaire La Couronnée vient récupérer le pilote au moyen d'une annexe. L'annexe vient à bord. Alors on voit le pilote là, descend l'échelle. Même protégé par les flancs du cargo, pilote de Loire est un métier de voltigeur à très haut risque, surtout lorsque la mer est agitée. Il va passer de côté bâbord pour être également à l'abri des vagues. Là, le pilote va ressortir troyé. Voilà, super. Une fois le pilote réembarqué, la vedette se repositionne dans l'attente d'un nouveau bateau à servir.
Après avoir viré la dernière bouée du chenal, le golfe de Gascogne va se montrer à la hauteur de sa réputation. Le bateau passe en force contre le vent, les vagues et la houle. Il faudra attendre le troisième jour de la traversée pour que les conditions de mer se calment et permettent de partir à la découverte des coins secrets du fort Sainte-Marie, dont la cale complètement remplie de conteneurs. Promenade dans le labyrinthe de la cale nous amène tout doucement jusqu'à l'étrave, le seul endroit calme et silencieux du bateau. Un havre de tranquillité, loin du vacarme assourdissant des bouches de ventilation ou des compresseurs des reefers. Dans le cadre d'un partenariat avec Météo France, un marin lance deux fois par jour un ballon sonde, dont les données sont enregistrées à bord, puis retransmises à Météo France à Toulouse. C'est accompagné et équipé de bouchons d'oreilles qu'il est possible de visiter la salle des machines. Au centre, trône un gigantesque moteur de 8 cylindres qui déploie une puissance de 33 000 chevaux dans un bruit assourdissant. Au moteur principal, il faut aussi ajouter les différentes machines qui produisent de l'électricité, du froid, du chaud, de l'air pur, de l'air climatisé, de l'air comprimé, de l'eau douce, de la vapeur. Une véritable usine à fond de cale. Imperturbablement, le fort Sainte-Marie taille sa route à travers l'Atlantique en parcourant quotidiennement 460 milles, soit environ 850 km. All right.
À ce rythme, nous traversons l'archipel des Açores au bout du quatrième jour de navigation, et plus précisément à 18 km dans le sud-est de l'île de Flores. Le poste de manœuvre arrière est également très bruyant. En plus du ronflement de la ventilation de la salle des machines, il faut ajouter le vacarme de l'eau énergiquement brassée par une hélice de 6 mètres de diamètre qui trace dans la mer un long sillage d'eau verte. L'avant-dernier jour, passage du tropique du Cancer par 23 degrés et 27 minutes nord. La dernière carte marine est sortie, signifiant la fin prochaine de la traversée de l'Atlantique. 6400 km parcourus en 8 journées. Nous sommes bientôt en vue des Antilles et tout près de Pointe-à-Pitre, la prochaine escale. Il fait encore nuit lorsque le Fort Sainte-Marie arrive en Guadeloupe, mais l'aube se lève rapidement sur la rade. À peine le bateau est-il accosté que les portiques entrent déjà en action. La valse des conteneurs recommence. Après une dernière nuit de navigation, le Fort Sainte-Marie pénètre au petit matin dans la baie de Fort-de-France en Martinique. Et malgré les apparences, c'est déjà un avant-goût des vacances. Le voyage est terminé. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses.